Alors, au nom de l'Université de Mons et d'Art au Carré, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cet événement, ma thèse en 180 secondes. Bienvenue aussi tout particulièrement aux candidats et collègues de l'Université catholique de Louvain. Alors, ce que nous allons tenter ce soir est assez inédit, voire expérimental. Je vais peut-être repréciser un peu le contexte dans lequel tout ça se passe. En fait, à la base, le concours MT 180, donc ma thèse en 180 secondes, c'est un concours international qui a lieu pratiquement en toute la francophonie. Et au niveau local, si je prends le cas par exemple de la communauté française Wallonie-Bruxelles, chaque université organise sa finale régionale et puis les meilleurs de chaque université s'affrontent gentiment dans une finale interuniversitaire. Et cette finale interuniversitaire permet de choisir le candidat qui va représenter la Belgique à la finale internationale. Bon, évidemment, cette année, suite à la pandémie, on a dû pratiquement tout annuler. Donc, je pense à part les Suisses qui ont réussi just in time à organiser leur concours. Et donc, voilà, on se retrouve dans une situation un peu particulière où l'idée que du public se réunissent dans une salle en train d'observer des gens sur une scène, ça nous semble un usage d'un autre temps. Donc, espérons qu'on pourra revenir à la normale dans cette optique-là. Et puis, on s'est dit à Mons, mais ce serait quand même dommage de s'arrêter là, puisque les doctorants avaient déjà pas mal bossé avec les coachs, etc. Donc, on s'est dit, mais comment on pourrait valoriser le travail qui a été fait? Et donc, on s'est dit, dans un premier temps, on pourrait enregistrer des capsules qu'on pourrait diffuser une fois par semaine. Et puis, on s'est dit, mais en faisant ça, on perd le côté variété, richesse des thématiques abordées. Et puis, on perdait le côté direct, en fait. Ce qui est chouette, c'est que quelqu'un se lance avec ses émotions, avec son stress, avec sa joie. Si c'est un enregistrement, ben on perd ça, puisqu'on peut recommencer autant de fois qu'on le veut jusqu'à ce que l'enregistrement vous satisfasse. Donc, on s'est dit, il faut du direct. Et puis, voilà, donc l'idée a évolué. Et finalement, on arrive à ce qu'on va vous proposer ce soir. Et on est très content parce que l'idée a fait du chemin. Et nos collègues de Louvain nous ont dit, tiens, est-ce que vous accepteriez que quelques-uns de nos candidats, ceux qui sont prêts à relever le défi, vous rejoignent? Et donc, on a dit oui avec enthousiasme. Et donc, aujourd'hui, on a 9 candidats, 9 pionniers. C'est ceux qui ont accepté de participer au concours et qui, en plus, acceptent les contraintes particulières de cette version at home. Donc ici, évidemment, pas de scène. Les candidats sont confinés chez eux. Ils sont assis devant leur PC avec leur petite webcam et ils doivent communiquer devant un public qu'ils ne voient pas. Donc, c'est un peu particulier comme exercice. Alors, que voulais-je encore ajouter? Ben, peut-être que simplement, même si on n'est pas réunis physiquement, on est quand même ensemble ici et ailleurs. Et ce soir, en fait, on va célébrer la recherche et cette irrépressible envie d'explorer, de comprendre pour le plaisir ou pour la nécessité ou pour les deux en même temps. Alors, d'ores et déjà, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette soirée. Merci également aux doctorants, aux coachs. Et je me dis d'ailleurs que les candidats qui actuellement attendent derrière leur petit écran doivent se dire, mais bon sang, pourquoi je me suis lancé dans une telle galère? Alors voilà, je vais peut-être vous rappeler les règles de ce concours. Voici comment ça fonctionne. Les règles sont très simples. Elles peuvent être résumées par le dessin que nous avait offert Pierre Kroll l'année passée. Donc, les candidats ont 180 secondes, donc moins de 3 minutes, pour présenter leur thèse de façon la plus sympa, la plus compréhensible possible, tout en restant évidemment rigoureux, etc. Alors, vous allez voir, il y a différentes couleurs au niveau du petit chronomètre qui se mettra en route à chaque fois que les candidats causeront. Et puis, comme dit Kroll, ben voilà, il y a une zone rouge qu'il faut absolument pas dépasser. Si le candidat parle encore alors que les 180 secondes sont égrenées, il est annulé, il est éliminé. Voilà. Il peut évidemment terminer avant, ça ne pose pas de problème. Quand il se lance, il peut plus s'arrêter, sauf s'il y a vraiment un problème majeur. Dans ce cas-là, on remettra le compteur à zéro et on est reparti. Alors, en fait, les candidats disposent d'une seule DIA pour présenter leur thèse. Une DIA qui doit être statique, donc pas question d'ajouter des petites animations. Pas d'accessoires. Et que dirais-je d'autre? Voilà, donc la seule adaptation qu'on a pour cette version en ligne, c'est que les candidats sont tenus à rester assis devant leur écran, pas debout pour des problèmes de son, de lumière, des choses comme ça. Voilà, alors, comme c'est un concours, on a évidemment un jury.
Alors, merci à tous les jurés d'avoir accepté aussi avec enthousiasme de participer à cette aventure. Donc, on a Isabelle de Coster de Lucé Louvain, qui s'occupe de relations extérieures, je pense, pour ne pas dire de bêtises. On a Christian Dubrulle, qui est journaliste scientifique, qui est le patron de Daily Science, qui est le seul quotidien de vulgarisation scientifique gratuit en ligne. On a Valérie Saint-Guilin, qui est le directeur de la com à Lumons. On a Manu Villain, qui est expert en communication et animateur sur la télévision locale, donc TLMB à Mons, donc journaliste. On a Jean-Christophe Renaud, qui est pro-recteur recherche à Lucé Louvain. On a Michel Stockem, qui est directeur d'Art au Carré, qui est l'école supérieure d'art. Hein. C'est Art au Carré qui intègre l'ancien conservatoire royal de Mons. Et Rudy Wattier, qui est notre vice-recteur à la recherche, et qui sera tout à l'heure aussi le porte-parole du jury. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un jury qu'on a voulu équilibrer entre les deux universités, donc Louvain et Mons. On ne vous dira pas tout à l'heure qui vient de Louvain, qui vient de Mons au niveau des candidats. Donc, on a voilà, tous les candidats sont dans le même pool, on va dire ça comme ça. Et donc, on a un équilibre entre les deux universités et on a tenu vraiment à ce qu'on ait des gens spécialisés dans la communication qui viennent donner leur avis parce que c'est un exercice de communication en plus d'être un exercice de vulgarisation. Et donc, avec nos intervenants, on a tous les profils rêvés. Donc, merci beaucoup à vous. Alors, sur quels critères les candidats vont-ils être évalués? Essentiellement quatre. D'une part, évidemment, le talent d'orateur. Ensuite, est-ce que l'exposé est bien structuré? On sait que c'est extrêmement important d'avoir un exposé structureux si on veut que les gens comprennent et vous suivent. La qualité de la vulgarisation. Donc, oui, ça doit être vulgarisé, ça doit être compréhensible, mais il faut que ça reste tout à fait pertinent. Si l'exposé doit être compréhensible par le grand public, il faut que si dans la salle virtuel, on est un expert du domaine, il faut que l'expert ne détecte pas d'erreurs dans le discours. Et puis évidemment, il y a le coup de cœur, voilà, ce qui relève du côté un peu irrationnel ou du charisme à voir. Donc voilà, donc les jurés vont se baser sur ces quatre critères et ils vont choisir en fait deux lauréats tout à l'heure. Alors vous aussi, public, vous pourrez également voter pour votre coup de cœur. Donc, pas de critères spécifiques, donc c'est vraiment le candidat que vous avez préféré, indépendamment du thème. Voilà, c'est vous. Moi, j'ai flashé pour celui-là. Point. Vous votez pour celui ou celle-là, et vous pourrez en fait voter comment? Ben via une petite le petit système assez génial qui s'appelle WhoClap. Donc tout à l'heure, en fin de concours, on vous donnera le lien web où vous connectez. Vous connectez avec votre téléphone, par exemple, ou votre PC, c'est le même. Vous aurez les têtes des candidats, les titres qui seront résumés, et vous choisissez le candidat de votre choix. Et voilà, c'est très facile, vous aurez un temps limité pour choisir. Et ce qui est nouveau dans cette version en ligne, c'est qu'en fait, on va vous proposer un temps d'échange avec les doctorants. C'est quelque chose qu'on n'a jamais mis en place dans les finales, je dirais, présentielles. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Et souvent, les gens nous disent « c'est dommage, les doctorants… présentent leur sujet, c'est intéressant, on a 1000 questions et puis finalement, ils s'en vont, on ne les voit plus et voilà. Donc, si vous voulez, vous avez sur le côté de votre fenêtre YouTube, vous avez un chat et donc vous pourrez poser toutes les questions qui vous posent par la tête, qui vous passent par la tête, questions ou bien alors demander aux doctorants comment ils ont ressenti les choses. Maxime, qui m'aide à piloter cette soirée, il s'occupe de tous les aspects techniques et Dieu sait à quel point c'est pas simple. Il va collecter donc toutes ces questions et puis pendant la phase de délibération, pendant que le jury va se retirer une quinzaine de minutes, le public pourra voter, vous pourrez voter, et on échangera avec les doctorants en fonction des questions que vous aurez posées. Voilà, alors on est presque sur les starting blocks. Maxime m'a demandé de lui laisser 10 secondes le temps de préparer son canevas. Et on va accueillir le premier candidat. Je peux y aller, Maxime? OK. Alors, le premier candidat s'appelle Mathieu Michels. Il est ingénieur de formation. Et en fait, c'est la rencontre avec un prof de physique dans le secondaire qui a révélé chez lui le goût des sciences et des technologies. Alors, il ne vous racontera pas les soucis techniques qu'il a connus lors de sa première conférence scientifique en Allemagne. Mais ne t'inquiète pas, Mathieu, ici, tout devrait bien se passer. Alors, le titre officiel de la thèse de Mathieu, c'est « Études comparatives de sources plasma ».
pour la synthèse de films minces par pulvérisation cathodique magnétron. Et son titre vulgarisé, c'est « Un blaster qui dégomme ». Alors manifestement, Mathieu doit aussi être un fan de Star Wars. Alors Mathieu, est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tout va bien de ton côté ? Oui. Super. Alors je te laisse la parole. C'est parti. Bonjour à tous. Il y a quelques temps, mon téléphone portable a glissé de mes mains et l'écran s'est brisé sur le sol. Vous allez me dire, il existe des écrans de protection. Mais si on imaginait plutôt une solution différente ? Ça paraît dingue, mais si on parvenait à déposer un matériau à la surface de mon écran qui le rendrait incassable, eh bien les résultats de ma thèse pourraient bien nous aider. Avez-vous déjà entendu parler du plasma ? Vous connaissez probablement les trois états de la matière, solide, liquide et gaz. Eh bien le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Les aurores boréales, le soleil, la foudre sont des plasmas naturels, mais un plasma peut aussi être créé en laboratoire. Si l'on fournit suffisamment d'énergie à un gaz, par exemple au moyen d'une source d'énergie électrique, on pourra le transformer en un gaz ionisé, un plasma. Eh bien, ce plasma, c'est une belle soupe en perpétuel mouvement qui contient tout un tas de particules. Les particules ont une vitesse et donc une énergie. Eh bien, dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé un plasma particulièrement intéressant qui contient les atomes du gaz, bien sûr, mais aussi des atomes métalliques qui ont une vitesse très importante. Pour y arriver, j'ai premièrement mis au point une alimentation électrique capable de contrôler l'énergie des ions, mais aussi leur quantité. C'est un peu l'équivalent du blaster de mon Stormtrooper que vous voyez à l'écran. Je vise, en tout cas j'essaie de viser un peu mieux que les Stormtroopers dans Star Wars, je tire et boum, je crée une mini-explosion à l'extrême surface de ma cible et l'éjection de particules. Cette pulvérisation de la cible est utile, car certaines particules vont se condenser sur une surface pour créer, dans certains cas, un nouveau matériau. Eh bien, la surface, cela pourrait être l'écran de mon smartphone lors de sa fabrication, et le matériau, la protection dont je vous parlais précédemment. Dans un deuxième temps, j'ai mesuré, grâce à des outils sophistiqués, la quantité, la vitesse et la direction de certaines particules du plasma. Et on a effectivement montré qu'il était possible de contrôler la vitesse, donc l'énergie, de certaines particules. Finalement, la condensation des atomes sur la surface permet la création d'un film mince. Un film mince, c'est un matériau dont l'épaisseur ne dépasse généralement pas un centième de l'épaisseur d'un cheveu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétés de ces films dépendent notamment de l'énergie que l'on fournit pendant sa croissance. Eh bien, ça tombe bien. Comme je viens de le mentionner, on arrive à contrôler une partie de cette énergie. Vous l'aurez compris, l'étude d'une nouvelle technologie dans le domaine des plasmas est un procédé long et complexe, mais comme dirait Maître Yoda, beaucoup encore, il te reste à apprendre. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Alors ce qui manque ici évidemment, ce sont les applaudissements du public, mais on peut imaginer qu'on est tous en train d'applaudir Mathieu pour sa performance. Alors maintenant, on va accueillir le deuxième candidat, qui est une candidate qui s'appelle Angèle Dohou. Alors en fait, Angèle est pharmacienne, elle nous vient du Bénin. Elle s'est découvert une passion pour la science lorsqu'elle a constaté que souvent les grands problèmes pouvaient être solutionnés en partie ou atténués par des solutions simples. C'est ce qui lui a donné en fait le goût de la recherche et l'envie de s'investir dans la recherche. Alors, mais je ne résiste pas cependant à vous raconter une anecdote qui lui est arrivée lorsque Angèle a voulu se rendre à Glasgow pour une conférence dans le cadre de sa thèse. En fait, elle a réussi à oublier son trolley au guichet et puis son sac à main au contrôle aéroportuaire. Et tout ça a fait qu'elle a raté son avion deux fois. Alors Angèle, la bonne nouvelle, c'est que ce soir, tu n'as pas d'avion à prendre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors le titre officiel de la thèse d'Angèle, c'est prévention et contrôle des infections associées aux soins en chirurgie, contribution de la pharmacie clinique pour une utilisation rationnelle des antibiotiques. Titre vulgarisé, l'usage faisant l'usure, arrêtons le massacre. Alors Angèle, est-ce que tu m'entends, tout va bien de ton côté? Oui, j'entends très bien. Parfaitement, la parole est à toi. Bonjour. Vous savez, dans la vie, chacun court, lutte pour sa survie. C'est le cas de ces 100 000 milliards de microbes logeant dans notre petit corps de 10 000 milliards de cellules.
Ils sont bien plus nombreux que nos cellules et leur livre une guerre silencieuse, presque inévitable, mais pas invincible. Parmi ces microbes, il y a les bactéries responsables d'angine, de pneumonie. Notre arme contre ces bactéries, ce sont les antibiotiques qui, au lieu de les massacrer, se font massacrer. C'est le phénomène de la résistance bactérienne. D'ici 2050, si rien n'est fait, la résistance bactérienne sera responsable de 10 millions de décès dans le monde. C'est presque toute la population belge ou béninoise. Béninoise, belge, drôle de coïncidence. Les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Nous connaissons très bien cette phrase qui nous invite à une utilisation correcte. L'usage faisant l'usure. Comment utilisons-nous les antibiotiques? Si répondre à cette question est évidente ailleurs, dans mon pays, le Bénin, ce n'est pas le cas. Et c'est là l'utilité de ma thèse. L'objectif est de décrire comment les antibiotiques sont utilisés et de proposer des outils pour une utilisation correcte. Pourquoi je vous parle du Bénin? Parce que le monde est un village planétaire et ces bactéries résistantes voyagent avec nous partout sur le globe. La pandémie à coronavirus nous en dit long. Pour atteindre mon objectif, je me suis déplacée dans les blocs opératoires des hôpitaux du Bénin où j'ai observé et écouté le personnel soignant. Pourquoi je suis allée dans les hôpitaux? Parce qu'il arrive que pour une intervention chirurgicale d'appendicite ou de césarienne, un patient peut passer 10 jours à l'hôpital au lieu de 2 ou 3, parce qu'il a contracté les infections associées aux soins. Au cours de mon périple, j'ai compris que les soignants utilisent des antibiotiques trop forts pendant trop longtemps, des antibiotiques dont ils ne sont pas sûrs de la qualité et qu'ils en arrivent à en manquer. Avec mon équipe de recherche multidisciplinaire, je travaille à évaluer la disponibilité des antibiotiques et à tester leur qualité au laboratoire afin de permettre à l'autorité de prendre des décisions qui s'imposent. Mais aussi, je propose des outils, des supports de sensibilisation, des guides d'utilisation pour permettre une bonne utilisation. Et j'étudie également comment un pharmacien peut contribuer à une utilisation rationnelle dans le contexte du Bénin. La contribution de ma thèse peut paraître assez petite dans ce grand océan qui est la lutte contre la résistance bactérienne. Mais il faut bien commencer quelque part. Et vous aussi, vous pouvez y contribuer par des règles, par des pratiques de bon usage des antibiotiques. Parce que moi, dans ma peau de pharmacien, les pratiques 5 étoiles, c'est mon dada. Je vous remercie. Merci beaucoup, Angèle. Alors, nous allons passer au troisième candidat, qui est une candidate, c'est Sarah Reuter. Alors, Sarah nous vient d'Eupen, et dès ses études secondaires, elle se passionne pour les sciences, et plus particulièrement pour la chimie. Son mémoire lui donne le goût de la recherche, et là, elle vient nous présenter sa thèse que Sarah a intitulée pour cette soirée, de façon assez curieuse, « Visitons les fast-foods sans trop culpabiliser ». Alors, le titre officiel de ce travail de recherche, c'est « Optimisation de la vitesse de corrosion d'alliage à base de fer pour stène biorésorbable par acidification de la surface métallique. » Sarah, tout va bien de ton côté? Oui, tout va bien. Tout va bien. La parole est à toi. Merci. J'ai une confession à vous faire. J'adore la malbouffe. Tellement que ça en était devenu une drogue au point où, il y a un peu plus de 5 ans, j'allais en moyenne 2 fois par semaine au fast-food. Alors, qu'est-ce qui a bien pu changer depuis? Eh bien, je me rappelle très bien. J'étais en Erasmus à Dublin, et cette année-là, j'apprends qu'une personne proche de ma famille, qui s'était fait poser un stent quelques années auparavant, venait de faire un AVC suite à des complications dues à la présence de son stent. Je suppose que beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'est un stent. Eh bien, un stent est un implant tubulaire que l'on insère dans une artère bouchée afin de la déboucher et de permettre au sang de circuler à nouveau efficacement. Un peu comme un desktop pour nos artères, si on veut. Mais le corps humain n'est pas toujours très content par la présence d'un corps étranger et peut se rebeller. C'est-à-dire que l'artère peut réagir à ce corps étranger en se rebouchant ou en provoquant un AVC, par exemple. En gros, ce qui était censé lui avoir sauvé la vie venait à nouveau de mettre sa vie en péril. Et sachant que les maladies cardiovasculaires sont l'une des premières causes de décès dans le monde, je me suis donc dit, avec beaucoup de chagrin, qu'il serait peut-être temps de commencer à manger un peu plus sainement, histoire de ne pas devoir me faire déboucher les artères d'ici quelques années. En parallèle, je suivais un cours de biomécanique où j'ai pu apprendre qu'après la pose d'un stent, l'artère avait retrouvé sa fonction environ 6 mois plus tard. Hourra ! Il suffit donc de trouver un moyen de se débarrasser de ce stent après ces 6 mois, et comme ça, plus de complications et donc plus de seconde opération.
Bon, c'était joli sur papier. Mais comment trouver un dispositif qui puisse se désagréger dans le corps humain après avoir apporté tout le support nécessaire à l'artère? Quelques semaines passèrent, puis vint le moment tant attendu de trouver un sujet de travail de fin d'étude. Et là, dans les différentes propositions, j'en vois une faite sur mesure pour moi. On y propose de travailler sur des stents biodégradables à base de fer, et donc qui vont se décomposer petit à petit dans le corps humain. Là, je me fais « yes, trop bien !» Je vais pouvoir continuer à aller au fast-food sans trop culpabiliser. Yes ! Bon, ok. Depuis, j'ai perdu quelques kilos. Merci la recherche. J'ai donc d'abord essayé de comprendre comment notre matériau se décomposait dans un milieu qui se rapproche chimiquement du sang. On a alors pu mettre en évidence qu'un film venait se poser sur notre matériau et empêcher toute interaction entre celui-ci et l'environnement de l'artère. Aucune possibilité de se désagréger assez rapidement une fois le film protecteur formé. Vous entendez déjà de là ? Bah, il suffit de s'en débarrasser. Eh bien, voyez, c'est ce que j'étudie dans ma thèse. Différents moyens de faire disparaître ce film protecteur. Comment ? En acidifiant. Vous voyez quand on vous dit d'utiliser du coca pour vous débarrasser de la rouille de vos outils, par exemple ? Eh bien, en rendant le milieu acide, on empêche toute formation de ce film protecteur et on laisse libre cours à la matière de se décomposer. J'étudie donc différentes techniques qui permettent d'acidifier le milieu environnant le stent afin de lui permettre de se décomposer dans le corps humain après avoir accompli son rôle de support. Créer un stent qui se dégrade pourra vraiment faire la différence et diminuer le taux de mortalité dans ce monde. Merci. Merci Sarah. Alors, quatrième candidat, il s'agit de Antoine Buchet. Alors, bon, concernant Antoine, je vous fais une confidence, ce n'est pas la première fois que ce jeune homme présente sa thèse. Si aujourd'hui, il va nous la présenter en 180 secondes, il y a quelques semaines, il l'a présentée en, j'ai calculé, 2400 secondes, ce qui lui a valu d'ailleurs le titre de docteur. Alors Antoine, cette fois, applique-toi, fais un effort, tu vas devoir être nettement plus concis. Aujourd'hui, alors le titre officiel de la thèse d'Antoine, c'est « La gouvernance des communes wallonnes, convergence et contraste, analyse transversale du fonctionnement des communes wallonnes entre gestion, gouvernance et choix politiques ». Et son titre vulgarisé, c'est « La participation citoyenne et les communes wallonnes, un renversement des rôles ». Alors Antoine, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tout va bien de ton côté ? Tout va bien de mon côté. Super, on te laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment les politiciens tiennent compte de nos avis ? Est-ce qu'ils tiennent seulement compte de nos avis ? Ce sont des questions importantes quand on s'intéresse à la politique et d'autant plus importantes, finalement, quand on fait une thèse sur le sujet. Alors, ma thèse, elle pose cette question. Existe-t-il une forme de participation au sein des communes wallonnes ? Répondre à cette question implique de définir ce concept de participation. La participation, c'est la reconnaissance de nos expertises en tant qu'individus afin de gérer au mieux un territoire. Et quel territoire ? Les communes, ce niveau de pouvoir proche de nous en tant qu'individus, ce niveau de pouvoir qui collecte nos poubelles, qui distribue nos masques en ces temps difficiles. Bref, un niveau de pouvoir qui devrait davantage s'intéresser à nous. Alors, comment analyser cette question de la participation au sein de la commune, des communes wallonnes, en se saisissant d'un outil, les déclarations de politique communale. Ces déclarations, elles sont obligatoires et émises par les communes au lendemain des élections pour définir en quelques mots, la manière, en quelques mots, en quelques pages, en quelques dizaines de pages parfois, la manière dont les communes seront gérées pour les 6 prochaines années. Ainsi, l'analyse que j'ai faite de ces différentes déclarations, de ces milliers de pages de déclarations, permet d'approcher au mieux cette question de la participation au sein des différentes communes. Mais finalement, une telle analyse implique une vision de la participation assez floue. Certes, toutes les communes se prononcent en faveur de celle-ci, mais peu définissent clairement la manière dont la participation est conçue. Par contre, si on classifie les communes selon différents axes, gauche, droite, urbain, agricole, riche, pauvre, là, des différences peuvent être soulignées du fait de ces différences de type de communes. Ainsi, les communes de gauche se prononcent souvent en faveur d'une plus ample participation, à l'inverse des communes de droite. De la même manière, les communes agricoles sont également souvent plus participatives que les communes urbaines. De divers autres exemples pourraient encore être cités, mais
L'intérêt de cette thèse, c'est qu'elle nous permet finalement de réaliser une photographie à un instant donné de la manière dont les différentes communes wallonnes sont gérées. Cette photographie, elle est importante parce que finalement, elle permet de sortir d'une posture de l'homme politique se moque de nous pour finalement, nous, en tant qu'individus, nous saisir des mêmes outils que nos politiciens, nos hommes et femmes politiques, et finalement sortir de la politique, de la posture de l'homme politique surplombant le peuple. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci Antoine. Alors nous allons changer totalement de sujet et nous allons passer au cinquième candidat qui est Antonin de Marbais. Antonin est ingénieur civil. Son goût pour les sciences et les technologies s'est développé lorsque tout jeune, il visionnait les émissions C'est pas sorcier de Fred et Jamy. Fred et Jamy, qu'on connaît bien ici à Mons, puisqu'ils sont docteurs honoris causa de notre université. Et il est assistant, donc ce qui lui convient bien, parce que s'il est passionné par la recherche, il est tout autant par le partage des savoirs. Alors, le titre officiel de la thèse d'Antonin, c'est « Characterization of green ceramic machining by means of milling and laser in order to develop a new manufacturing chain for ceramic ». Et le titre vulgarisé en français, ça donne « Quand l'art rencontre la science ». Alors Antonin, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout va bien de ton côté? Oui, parfait, je vous entends très bien. Super, on te laisse la parole. Parfait, merci. Revenons 5000 ans en arrière. Nos ancêtres fabriquaient des pots en céramique avec une matière argileuse. Ces pièces étaient ensuite mises dans un feu pour leur conférer les propriétés attendues. À l'époque, la reproduction d'une pièce à l'identique était impossible. Pour y remédier, l'homme inventa donc le tour du potier, la première machine-outil de notre histoire. Cette technique s'est progressivement affinée au cours du temps, au point de devenir un véritable art. Mais qu'en est-il lorsque l'art rencontre la science? C'est un peu le pari que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse en développant mon propre tour du potier. Ma machine-outil est la combinaison de deux procédés d'usinage. Qu'est-ce l'usinage? L'usinage est tout simplement un procédé d'enlèvement de matière avec ou sans contact. Ben moi, c'est les deux, le fraisage, l'usinage laser. Reprenons le fraisage. Rappelez-vous votre dernière visite chez le dentiste. Ce bruit strident, cette fraise qui tourne à une vitesse folle, qui rentre dans votre dent. Ben ici, c'est la même chose, sauf qu'elle va rentrer dans le matériau pour la mettre en forme. Il a dû donc être obligatoire d'étudier l'interaction entre ces deux parties. J'ai donc déterminé les paramètres de coupe pour éviter le risque de fissure. En parlant de dents, il faut savoir que la céramique que j'étudie est de la zircone, essentiellement utilisée dans le biomédical et dans le dentaire, dû à ses propriétés mécaniques intéressantes, mais également sa biocompatibilité. Je reviens à mon deuxième usinage, l'usinage laser. Pas de contact entre l'outil, pas de risque de micro-fissure. Un faisceau lumineux qui va venir sur la surface à l'aide d'un acheminement du faisceau par des lentilles. Rappelez-vous votre expérience pour allumer un feu, la loupe, le soleil qui allume ce feu. C'est la même chose, sauf que moi, je ne souhaite pas avoir de brûlure locale. Donc, j'ai dû réaliser un modèle numérique pour prédire le risque de brûlure locale. Ceci m'a permis de combiner les deux procédés, le fraisage, l'usinage laser, pour réaliser une pièce à l'identique, mais de manière toute petite, avec des propriétés similaires. En conclusion, la distanciation sociale du faisceau laser permet de limiter la propagation de fissures due au contact avec l'outil. Aujourd'hui, qui dira encore que l'art et la science ne se rencontrent jamais? Je vous remercie. Merci Antonin. Alors, nous allons passer au sixième candidat, qui est Philippe Savarino. Alors, Philippe est chimiste et ce qui l'a séduit dans cette discipline sont les infinies possibilités qu'elle peut offrir, loin de l'image d'Épinal un peu négative qui lui colle au basket en général. Alors, Philippe va tenter de nous le démontrer en moins de 180 secondes. Le titre officiel de sa thèse, c'est « Évaluation des saponines en tant que fongicides biosourcés pour l'agriculture biologique via une approche structure-activité ». Titre vulgarisé, du marron à l'agriculture biosourcée, une thèse aux multiples facettes. Alors Philippe, est-ce que tu nous entends? Tout va bien de ton côté? Très bien, ça va. Parfait, on te laisse la parole. 150 000, vous savez ce que représente ce chiffre? Le nombre de kilomètres de route en Belgique. Impressionnant, n'est-ce pas?
d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que cela correspond à près de 4 fois la circonférence de la Terre. Mais quel est l'intérêt de ce chiffre, me direz-vous ? Eh bien, le long de cette dizaine de milliers de kilomètres, un arbre, le marronnier d'Inde. Et c'est ici que débute ma thèse, où je vais jouer les jardiniers en ramassant son fruit, le marron. Alors, comme tout le monde le sait, contrairement à la châtaigne, le marron est toxique pour l'homme, ce qui en fait un déchet pur et simple, alors qu'il pourrait être transformé afin d'être valorisé, et c'est ce qu'on appelle la biomasse. Alors la biomasse, ça représente toute forme de matière organique qui est considérée comme un déchet, mais qui peut encore être valorisée, par exemple avec l'énergie que l'on peut en tirer, mais aussi avec des propriétés spécifiques que l'on pourrait appliquer. Donc l'idée de ma thèse, ça va être de trouver une voie de valorisation pour les marrons qui jonchent les routes de notre plat pays. Pour ce faire, j'extrais de ces marrons des molécules qu'ils produisent et qu'on appelle les saponines. Alors, je m'intéresse aux saponines parce qu'elles ont la particularité d'être antifongiques. En voilà un mot bien savant. Ben, ce mot veut simplement dire que ces molécules vont stopper la croissance des cellules des champignons et agir comme des tueurs à gages, et donc qu'on va pouvoir les employer comme des pesticides agricoles biologiques. Cette caractéristique, elle s'explique par la structure particulière des saponines. D'une part, on va retrouver une chaîne composée de sucre, et de l'autre, une molécule de la même famille que le cholestérol. Eh bien, figurez-vous que les champignons aussi possèdent un analogue au cholestérol dans leurs cellules, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que grâce à ça, le cholestérol contenu dans les saponines va interagir avec le cholestérol qui est contenu dans la cellule des champignons, et ce qui va entraîner la formation de petits trous le long de la cellule. Alors, on va commencer par imaginer un ballon d'eau. Et maintenant, vous faites plusieurs petites fuites dans ce ballon. Que se passe-t-il ? Ben, le ballon va se vider de son contenu et on va se retrouver avec un ballon crevé, inutilisable. Ben, c'est pareil avec les cellules, et qui dit plus de cellules, dit plus de champignons. Alors c'est bien beau. On sait comment ces petites molécules vont éradiquer les champignons. Mais ce que je cherche surtout à comprendre avec mes recherches, c'est comment je peux modifier ces molécules pour en moduler l'activité, un peu comme ça a déjà été fait avec l'aspirine. Ben oui. L'aspirine, c'est une molécule qui provient du sol et qui a été modifiée chimiquement par l'homme afin de la rendre plus efficace. Donc, une fois que j'en ai fini avec mes champignons, je retire ma casquette de tueur à gages et je revais celle de chimiste et je commence à modifier la structure des saponines afin de voir comment je peux arriver à amplifier cette activité antifongique de ces petites molécules. Donc, pour résumer, en 4 années, j'aurais été jardinier, tueur à gages et chimiste. Et qu'on ne vienne plus me dire que faire une thèse ne vous rend pas polyvalent. Merci Philippe. Alors, nous accueillons Laurine Choisé, qui est notre 7e candidate, le temps passe très vite. Et une des règles implicites ce soir, c'est de ne pas révéler l'origine géographique des candidats, si cette origine permet de savoir s'ils sont plutôt louvainistes ou montois. Alors, concernant Laurine, pas de souci, je peux vous révéler l'information. Parce que ça ne s'invente pas, elle est autant hénuyère que brabançonne. Alors, curieuse un tas de choses, elle s'est orientée vers des études d'ingénieur, elle adore comprendre les mécanismes à l'œuvre autour d'elle, et si aujourd'hui elle s'est orientée vers la recherche, c'est parce que simplement elle veut à son tour apporter sa part à l'édifice des connaissances humaines. Alors, le titre officiel de sa thèse, c'est « Étude des propriétés d'écruissage, d'endommagement et de rupture d'une nouvelle famille d'alliage de titane bêta-métastable ». Et en langage classique, compréhensible par tous, ça donne la recette parfaite pour un avion. Alors, Laurine, est-ce que tout va bien de ton côté ? Tu nous entends ? Oui, tout va bien, merci. On t'entend aussi. On te laisse la parole. Parfait. Qui, parmi nous aujourd'hui, n'a jamais pris l'avion ? À notre époque, il est devenu si facile de s'envoler jusqu'à l'autre bout du monde. Mais seulement voilà, prendre l'avion pollue. Le secteur aérien produit de plus en plus de gaz à effet de serre, d'année en année. Le GIEC estime même que d'ici 2050, l'aviation à elle seule sera responsable de plus de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors que faire ? La solution la plus évidente est d'arrêter de prendre l'avion. Mais il existera toujours des situations pour lesquelles prendre l'avion reste nécessaire. Par exemple, si le rêve de votre mamie est d'aller visiter le Machu Picchu au Pérou, qui suis-je pour lui empêcher de réaliser son rêve ? Une alternative pour réduire la pollution liée à l'aviation est d'utiliser des matériaux de construction plus légers. En effet, un avion plus léger va consommer moins de carburant pour effectuer le même trajet. Mais on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau. Il faut qu'il soit à la fois léger et résistant.
Or, le métal qui combine le mieux ces deux propriétés, c'est le titane. Alors, il existe une troisième condition importante, la résistance à la rupture. Imaginez, votre mamie peut enfin réaliser son rêve, et la voici partie en avion, en direction du Pérou. Sur le chemin, l'avion rencontre une nuée d'oiseaux, et c'est le choc. Mais ce qui serait catastrophique, c'est si l'avion se fissure, parce qu'alors, adieu mamie. Pour garantir la sécurité des passagers, nous voulons un matériau à la fois léger, résistant à la déformation et résistant à la rupture. Or, il existe cette contradiction dans la science des matériaux qui veut que plus un matériau est résistant à la déformation, comme la céramique de vos assiettes, plus ce matériau est fragile. À l'inverse, plus un matériau peut être déformé avant de se rompre, comme du chewing-gum, eh bien, plus ce matériau est facile à déformer. Ce que j'étudie pendant ma thèse, c'est la combinaison des meilleures propriétés de ces deux matériaux dans un nouvel alliage de titane, c'est-à-dire un bloc de titane dans lequel on vient ajouter d'autres éléments, dans ce cas-ci du molybdène, afin de modifier ses propriétés. C'est un peu comme lorsque vous faites un gâteau. Si vous mettez trop de farine, votre gâteau est friable, il est fragile. Par contre, si vous ne mettez pas assez de farine, alors votre gâteau va s'effondrer. Pour obtenir un gâteau qui soit à la fois moelleux et qui tienne en place, vous devez trouver la bonne quantité de farine à ajouter dans votre recette. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Nous avons trouvé la bonne quantité de molybdène à ajouter afin d'avoir un alliage qui soit à la fois léger, résistant à la déformation et résistant à la rupture, et permettre ainsi à votre mamie de réaliser son rêve en toute sécurité. Alors, ça sort un peu du cadre de ma thèse, mais je voulais finir sur ce message, c'est que même si on réduit le poids des avions de moitié, si le trafic aérien se multiplie par 10, eh bien, la production de gaz à effet de serre va continuer à augmenter. C'est vraiment la combinaison entre des innovations technologiques d'une part et une utilisation raisonnée de ces technologies qui va nous permettre de réduire la population. Merci. Merci, Laurine. Alors, nous allons accueillir maintenant l'avant-dernière candidate, qui est Loredana Cultrera. Alors, communication de service, je m'adresse ici à tous les candidats MT180. Ne soyez pas étonnés si Loredana éprouve tout à l'heure quelques difficultés à féliciter les uns et les autres. C'est qu'un jour, elle a félicité une dame pour sa grossesse, grossesse qui n'en était pas une, et depuis, elle a décidé d'y réfléchir à deux fois avant de féliciter quelqu'un. Comme vous le verrez, en dépit de cette particularité, Loredana est très altruiste, comme le prouve le titre vulgarisé de sa thèse « Et si on tentait de vous sauver ?» Alors, le titre officiel de son travail, c'est « From Prediction to Prevention, Analysis of the Bankruptcy Phenomenon ». Loredana, est-ce que tu nous entends ? Oui, tout va bien. Tout va bien de ton côté. Ok, je te laisse la parole. Vous voyez les quatre planches dans lesquelles on va tous finir ? C'est de ça qu'on va parler. Moi, je travaille sur des morts. Et de vous à moi, j'adore. Qu'est-ce que je fais concrètement ? J'étudie un cancer. Cette maladie, elle a différentes formes. Elle peut prendre différents chemins, laisser parfois des séquelles. Et la finalité, si ça se passe mal, on la connaît tous. Et l'objectif de ma thèse, c'est de l'éviter. Pour cela, trois parties complémentaires. D'abord, j'étudie la maladie. J'essaie de la comprendre. Que s'est-il passé et pourquoi les morts sont morts ? Ensuite, je me suis focalisée sur les sujets grandement malades et j'ai cherché et trouvé des éléments, des leviers pour les aider à aller un peu mieux. Enfin, comme le dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, l'idée de cette dernière partie est d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Toutes ces questions, j'y réponds grâce à tout un tas de modélisations. Ah, et au fait, je ne vous l'ai pas dit, moi, je travaille en économie sur la faillite des PME belges. Les malades, ce sont les entreprises. Le cancer, c'est la faillite. Et j'essaie d'éviter aux entreprises de faire faillite. Et donc, concrètement, qu'est-ce que je fais dans ma thèse ? D'abord, je m'attaque à la compréhension du phénomène de faillite. J'ai construit un modèle de prédiction adapté à mon terrain, les PME belges. Chose étonnante, les facteurs qui expliquent la mort des entreprises diffèrent en fonction de la région. Les entreprises auraient donc tout intérêt à se focaliser sur ces indicateurs spécifiques pour éviter la faillite. Imaginez un tableau et qu'en fonction des caractéristiques de l'entreprise, certains témoins lumineux passeraient au rouge. Bien que la prédiction soit essentielle, il est déjà trop tard pour ces entreprises. Et donc, je m'intéresse ensuite aux sujets grandement malades, c'est-à-dire aux entreprises dites hautement à risque de faillite, mais pour lesquelles il est encore possible de faire quelque chose. Ici, je mets en évidence des leviers, des stratégies en termes de gestion de ressources humaines pour aider l'entreprise à se sortir de sa situation critique, comme par exemple augmenter la diversité de genre, ce qui favoriserait le processus d'innovation. Finalement, je prends encore plus de recul dans ce processus de la faillite et je m'intéresse aux mesures de prévention,
Il existe en Belgique différentes initiatives qui visent à aider les entreprises en difficulté. Mais sont-elles connues, utilisées, efficaces? J'ai pu démontrer que ces mesures fonctionnent, mais ne sont pas suffisamment utilisées. Comment les optimiser? Eh bien, changer notre mentalité, notre vision du phénomène de faillite. Par exemple, aux États-Unis, faire faillite ne veut pas dire échec et incapacité du dirigeant, et rebondir est naturel. Alors qu'en Europe, faire faillite est un échec, ça colle à la peau, on en a peur, et donc on retarde le processus d'appel à l'aide. Peur de la stigmatisation? Telle est la question. Vous voyez, pour une entreprise aussi, c'est essentiel de se faire dépister. Merci Loredana. Et nous arrivons au dernier candidat de ce soir, donc qui est Ludovic Méli. Alors Ludovic est suisse et il nous vient du canton du Valais. Il est chirurgien et très tôt dans sa formation de médecin, il a contracté le virus de l'expérimentation. Les symptômes sont devenus si aigus que le seul traitement possible passait par la recherche en laboratoire et une thèse de doctorat. Donc Ludovic et sa thèse, comme vous le verrez, c'est une histoire de cœur. Alors le titre officiel de sa thèse, c'est « Stimulation of the microvascularization through growth factors in the myocardium ». Et le titre vulgarisé, c'est « Les facteurs de croissance dans le muscle cardiaque ». Alors Ludovic, est-ce que tu nous entends? Ah, nous ne t'entendons pas. Le micro n'est pas activé. Voilà, on n'entend toujours pas Ludovic Maxime. Voilà, petit souci technique, ça va être résolu. C'est bon, là vous m'entendez? Oui, parfait. Ok, donc Ludovic, la parole est à toi. Bonsoir à tous. Ce soir, ma diapositive restera blanche, car j'aimerais vous parler d'un petit problème de cœur. En tant que chirurgien cardiaque, le cœur, c'est mon pain quotidien. Alors dans ma recherche, j'essaye de comprendre un petit peu mieux la vascularisation du cœur. La vascularisation, c'est-à-dire comment est-ce que le cœur reçoit lui-même le sang pour fonctionner. Il y a deux types liés à cette vascularisation. D'un côté, ce qu'on appelle la macrovascularisation, ce sont les coronaires. Alors pour cela, en tant que chirurgien cardiaque, eh bien, on peut restaurer le flux dans une artère bouchée en faisant un pontage. Et pour ce qui concerne la microvascularisation, ce sont donc les capillaires, cet endroit où se fait l'échange entre le sang et l'organe. Et bien pour cela, on peut utiliser des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance sont simplement des substances que l'on injecte dans le cœur et qui vont stimuler la croissance de ces capillaires. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est que en injectant donc ces facteurs de croissance, c'est important de contrôler et la dose, parce que si on en injecte trop, eh bien ces facteurs de croissance, ils vont trop produire et on va avoir des angiomes, des tumeurs vasculaires. Alors on aura certes une augmentation de la vascularisation, mais en même temps, ça restera non fonctionnel. L'autre chose qui est importante, c'est de contrôler le temps. Si on retire trop rapidement le stimulus, alors les vaisseaux que l'on aura nouvellement formés, eh bien, ils vont régresser et disparaître. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu démontrer qu'en injectant, en mettant ce facteur de croissance dans des cellules souches d'origine humaine et qu'en sélectionnant les cellules qui produisent le bon taux, c'est-à-dire le taux thérapeutique ni trop peu, eh bien, on pouvait justement accroître le nombre de vaisseaux dans le cœur du rat et aussi stabiliser l'infarctus chez un rat si on injecte ces cellules autour de cette zone ischémique. Alors tout ça c'est bien, mais les cellules modifiées génétiquement, ça prend du temps, ça prend 3-4 semaines, ça peut être néfaste. Alors on a changé un petit peu de méthode et maintenant on introduit ces facteurs de risque, ces facteurs de croissance pardon, dans un gel. Et ce gel, quand on le met dans le cœur, il va se dégrader peu à peu. Et ce qu'on a pu démontrer, malheureusement, c'est qu'on n'a pas obtenu la vascularisation voulue, mais qu'on a une large cicatrice qui s'est produite. Et on a démontré que cette cicatrice ne dépendait pas du volume du gel, ne dépendait pas de la rigidité du gel, et qu'elle ne dépendait pas non plus de la réaction immunitaire que le corps produisait contre certaines composantes humaines de ce gel. Alors voilà, on continue à y travailler, encore et toujours, pour nos patients. Ou comme le dit si justement Soprano, en tant que cœur-donnier, eh bien mon rêve, mon but, ce serait de pouvoir un jour faire des pontages pour restaurer la macrovascularisation, mais en même temps aussi de pouvoir restaurer la microvascularisation par l'une ou l'autre des méthodes. Je vous remercie. Merci beaucoup Ludovic. Alors on a eu un petit souci technique avec le chronomètre, il y a un appel Teams qui s'est mis en route au mauvais moment,
Donc désolé, mais on connaissait la présentation de Ludovic et il tient le délai, il n'y a pas de souci. Alors nous sommes donc à la fin des présentations des 9 candidats. Le temps de la délibération est venu, mais je pense qu'il y a un petit plantage chez moi, Maxime. Le PowerPoint ne va plus. Ah, ça y est, nous y sommes. Voilà. C'est du direct, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc le jury en fait vient de se retirer. Il va être guidé par notre collègue Emerance qui va tenir le délai des 15 minutes. Maintenant, c'est à vous, en fait, le public, à voter pour votre candidat coup de cœur. Alors, comment ça marche ? Ce n'est pas difficile. Vous allez vous connecter à l'adresse qui est affichée ici à l'écran. Donc, c'est ooclap.com/mt180direct. Quand vous allez arriver sur cette page, vous allez voir en fait l'ensemble des 9 candidats qui sont repris avec en principe leur numéro, leur visage et le titre de leur thèse en mode vulgarisé. Il suffit de cliquer sur le candidat coup de cœur et votre vote est pris en considération. Voilà, donc les votes s'ouvrent maintenant. Vous avez 10 minutes montre en main. Allez-y, votez bien, votez vite et bien. Et pendant ce temps-là, donc, le jury va délibérer. Alors, en attendant le moment du retour des votes et du jury, eh bien, on va inaugurer quelque chose de nouveau. Donc, on va essayer d'entamer le dialogue entre vous, public, et les doctorants. Alors, je pense que Maxime, tu vas déconnecter le PowerPoint. C'est bien ça. Voilà. C'est moi qui le déconnecte. Je fais ça. Il faut juste le temps qu'on y arrive. OK. Voici. Et vous pouvez constater en direct l'effet du confinement sur la barbe et les cheveux de notre collègue Maxime. Ah bon ? Voilà, on voit les candidats qui apparaissent les uns après les autres dans la salle de contrôle. Alors là, on voit un candidat qui a, lui, à mon avis, a passé sa thèse il y a un petit peu de temps. C'est le recteur de l'UMONS qui interviendra tout à l'heure, Philippe Dubois. Voilà, bienvenue. OK, alors Maxime, je ne sais pas si tu as repéré des questions qu'on pourrait poser aux candidats. Oui, je vais peut-être redonner, Maxime, le lien WooClap. Donc, on le redemande. Donc, c'est wooclap.com/mt180direct. Peut-être si l'un ou l'autre peut le remettre sur le chat. Voilà. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, en principe, maintenant, vous m'entendez. J'avais oublié de connecter mon son au niveau du logiciel de retransmission sur YouTube. Donc merci de me l'avoir signalé dans le chat. Donc en effet, j'ai récupéré pas mal de questions. Donc si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaie d'être un maximum multitâche, même si ça bouge quand même pas mal. Donc tout d'abord, je voudrais remercier tous les candidats et de la part du public aussi, parce que vous ne l'avez pas vu, mais sur le chat, on a eu énormément de commentaires qui félicitaient tout le monde, énormément de réactions positives, et je pense que c'est le plus important pour ce concours, donc félicitations à vous. Je vais essayer de poser les questions un petit peu dans l'ordre de passage, donc peut-être que je n'aurai pas l'occasion de poser toutes les questions, mais je vais essayer de passer un petit peu la parole à un maximum de gens. Donc je vais commencer avec Mathieu. Je ne sais pas si tu peux connecter ton micro, Mathieu. Voilà. En gros, la question est assez simple. C'est au niveau de la génération et de la création d'un plasma, combien ça demande d'énergie ? Puisqu'en effet, d'un côté, on nous parle de développement durable et de l'autre, quel est l'ordre de grandeur de l'énergie nécessaire à la génération d'un plasma ? Est-ce que, au final, ces deux concepts peuvent cohabiter ensemble ?
Alors, je ne sais pas si la question est si simple que ça pour répondre, mais je retiendrai peut-être deux points dans la question au niveau du développement durable. Ces technologies plasma, en tout cas celles que j'utilise moi dans ma thèse, elles sont déjà reconnues comme étant des technologies vertes. Donc, on n'utilise pas de produits polluants, etc., contrairement à d'autres techniques de synthèse de films minces. Donc, ça, c'est un premier point auquel je voudrais insister. Et, concernant la partie énergétique, comment produire un plasma de manière efficace, quelle est l'énergie qu'il faut finalement, je voudrais aussi insister sur le fait, en prenant un exemple concret, par exemple, je veux recouvrir un vitrage pour lui donner des propriétés réfléchissantes au niveau des infrarouges. Eh bien, l'énergie dont je vais avoir besoin pour créer le plasma pour déposer ce film mince, eh bien, ça ne restera qu'une partie de l'énergie dont j'ai besoin au total pour créer le vitrage, avec des techniques de formation de ces vitrages assez industriels, je dirais. Donc, on parlera, par exemple, de 10, 20 kilowatts à l'échelle industrielle pour générer ces plasmas, mais dans des temps très courts. Donc, finalement, au niveau de l'énergie, ben, ça reste quelque chose de très, très, très court. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. J'ai répondu en partie à la question, sans problème. Merci beaucoup. J'ai pris peut-être un peu trop de temps, désolé. Aucun souci, on a un peu de temps. Donc, je surveille mon GSM parce que Emrance donc, va nous signaler quand le débriefing et le jury a rendu son verdict. Alors, Angèle, si tu peux peut-être réactiver ton micro. Donc, il y a eu pas mal de questions pour toi. Donc, ton sujet a vraiment parlé aux gens. Je vais ici fusionner deux questions au final. C'est au final, est-ce que tu as pu identifier si la résistance aux antibiotiques est aussi importante au Bénin qu'en Belgique? Donc, je veux dire, est-ce qu'on est sur la même gamme de résistance aux antibiotiques ou alors est-ce qu'il y a une très très large différence entre les deux pays? Et globalement, comment les gens ont accueilli ton enquête? Est-ce que d'une part, tu as pu discuter avec peut-être le corps médical pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient et quel a été le retour ou l'interaction que tu as eu avec eux? Merci beaucoup. Par rapport à la première question, le niveau de résistance au Bénin et en Belgique, ce serait assez difficile de comparer parce qu'au fait, au Bénin, il n'y a pas tous les antibiotiques qui existent en Belgique. Donc, du coup, si on doit comparer le niveau de résistance, ça va faire que, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques, on va beaucoup se rabattre sur ce qui est disponible. Et donc, pour ces antibiotiques-là, le niveau de résistance sera assez élevé. Alors qu'en Belgique, il y a une grande diversité d'antibiotiques, donc, qui va permettre de naviguer, je vais dire, un peu dans ces antibiotiques-là. Mais l'autre chose qu'il y a également au Bénin, c'est que, comme j'ai eu à dire dans ma présentation, il n'y a pas de règles, on ne connaît pas comment on utilise, donc, les pratiques sont vraiment chacun fait comme il peut. Mais ici, en Belgique, on sait déjà qu'il y a des antibioguides déjà pour chaque hôpital. Donc, pour chaque type d'infection, on sait quel type d'antibiotique il faut choisir. Donc, vraiment, le niveau de chaque pays, on ne saura comparer, mais on sait déjà que dans les pays comme le Bénin, le niveau de résistance est assez élevé. Merci. Et au niveau de la... Et pour la... De la deuxième question, pour la... Ouais. Deuxième question. Donc, heureusement, dans le cadre de ma thèse, j'ai eu à discuter avec le personnel soignant et ils ont vraiment apprécié le fait qu'on s'intéresse à comment nous utilisons les antibiotiques. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas de règles. Et quand on ne sait pas comment on fait, on ne sait pas mettre des règles. Donc, j'étais quand même bien accueillie de m'intéresser à cette question-là et de pouvoir proposer des outils pour améliorer la situation. Donc, c'était une belle expérience avec le personnel soignant. Super, merci beaucoup. Alors, une question pour Sarah, que je cherche sur mon écran, ouais. Question qui risque de ne pas être facile, désolé, mais je la pose quand même. Au final, est-ce que l'existence de ces nouveaux stents ne risque pas de motiver davantage de gens à la malbouffe? Je ne pense pas. J'ai vraiment joué sur la partie comique en parlant de... Peut-être que c'était trop bien, on pourrait continuer à aller
manger au fast-food. Mais je pense qu'à partir du moment où on passe par l'étape de devoir se faire poser un stent et avoir tous ces problèmes cardiaques, je pense pas que ça donne envie de repasser par ce chemin-là. On est juste content de s'en être débarrassé et de savoir qu'on ne risque pas d'avoir d'autres problèmes par la suite, plutôt que de se dire « trop bien, je vais recommencer à aller manger et me refaire implanter un deuxième stent ». Donc je pense pas que ça va pousser les gens à continuer à aller manger de manière grasse. Merci beaucoup. Alors, un autre exposé qui a suscité pas mal de réactions aussi, donc c'est celui d'Antoine. Si tu sais réactiver ton micro. Okay. Je vais te poser aussi là une double question qui est, en gros, est-ce que les citoyens sont demandeurs d'une telle participation et peut-on mesurer cette participation? Et d'autre part, est-ce qu'il est prévu à un moment que tu puisses présenter aux autorités des communes les résultats de ton travail, justement? Il y a plusieurs éléments dans le code de démocratie locale, donc l'outil qui gère la manière dont les communes sont gérées. Il y a plusieurs éléments. J'avais vu aussi un petit peu les questions, donc j'avais vu, on avait parlé de conseil consultatif. Il y a plusieurs éléments qui existent. En termes de participation, on aurait, nous, un impact direct sur la manière dont les communes sont gérées. Non, il n'y a rien qui existe. Il y a bien quelques référendums, mais ça doit être mis en place. C'est jamais... Il y a bien quelques référendums, quelques pétitions qui peuvent exister, qui peuvent avoir un impact, mais ce n'est pas quelque chose d'institutionnalisé au sens « ça existe en tout temps », etc. L'après, et quand, pour l'autre partie sur la présentation, moi je suis preneur, à voir si eux le sont, mais je n'ai pas, pour le moment, pas encore eu de possibilité de leur présenter. Après, j'ai défendu ma thèse le 4 mars et on sait ce qui s'est passé après, donc voilà. Merci. Donc, je l'indique à titre indicatif, mais le vote du public vient d'être terminé. Donc, selon toute vraisemblance, je vais bientôt avoir les résultats. Qu'on ne dira pas tout de suite, évidemment. On ne dira pas, bien entendu, tout de suite. Alors, Philippe, question relativement basique, mais qui, moi, m'a semblé intéressante. Je vais aussi la combiner avec une autre. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait ramasser tous ces marrons? Non, mais c'est fin, voilà. Et est-ce qu'il y aurait dans ces marrons suffisamment de saponine pour pouvoir faire du savon? Suffisamment pour faire du savon. On va déjà commencer par la première question. On sait que annuellement on vient élaguer les arbres qui sont donc le long des routes pour une question de visibilité. Donc évidemment l'élagage se fait en général au niveau du printemps et au niveau de l'été. Donc on pourrait imaginer pour ce qui est de venir ramasser les marrons, de faire les collectes évidemment quand ceux-ci tombent des arbres, donc aux alentours des mois d'octobre et mois de septembre. Donc déjà ça pourrait régler cette question pour le ramassage. Maintenant, pour ce qui est de la fabrication de savon, alors oui, ça mousse même fortement quand on met les saponines dans l'eau. Maintenant, de là en faire un savon, oui. Est-ce que ce serait commercialement intéressant? Je ne sais pas. Okay. Mais on pourra en faire un savon, effectivement. Ça va, merci beaucoup. J'ai un petit sourire aux lèvres parce que en fait les résultats des votes viennent d'apparaître devant moi, donc sadique. Voilà. Alors, autre question donc pour Laurine. Alors c'est une question un peu particulière, mais je la trouvais assez originale et je pense que ça va pouvoir aussi te permettre de parler un peu plus de ton sujet. Est-ce que le nouveau métal dont tu parles pour les avions, est-ce qu'il pourrait être utilisé pour fabriquer des armures? Donc, le nouvel alliage, oui, a priori, je ne vois pas pourquoi. Et pourquoi pas. Oui. En fait, on a remarqué que cet alliage, il a... Enfin, j'ai vraiment fort résumé, mais une de ses meilleures propriétés, c'est la résistance à l'impact. Donc, oui. Effectivement, ça pourrait bien résister en dissipant de l'énergie, en fait. C'est pour ça que, en fait, les bons matériaux pour les propriétés à l'impact,
Ce sont des matériaux qui permettent de dissiper beaucoup d'énergie et qui, du coup, doivent avoir à la fois une bonne résistance et une bonne déformation. Et donc, en fait, notre alliage est, en tout cas pour le moment, celui parmi les alliages de titane qui dissipe le plus d'énergie. Et donc, oui, ça ferait une... Mais bon, c'est pas le but. C'est une application, hein, c'est pas pour ça qu'on le fait forcément, mais oui, ça serait... J'ai trouvé la question suffisamment originale que pour la poser. D'accord. Petite dernière question pour Loredana. Et donc, j'ai été informé que le jury allait nous rejoindre. Donc, après, je passerai la parole à monsieur le recteur. Loredana, comment les chefs d'entreprise ont accueilli les résultats de ton travail, en fait ? Plutôt bien. Les chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer sont justement demandeurs de résultats. Ils sont demandeurs, en fait, d'indicateurs pour pouvoir faire un screening de la santé financière de leur entreprise. Quels sont les indicateurs à surveiller ? Et à quel horizon, justement, et donc à quel moment on doit commencer à s'inquiéter. Et alors, intéressés également par le côté des mesures préventives, comment faire pour se faire aider et à quel moment pour justement pouvoir maximiser ses chances de survie. Et donc, cette thèse avait justement pour but d'apporter des pistes et des solutions pour tenter d'aider les entreprises le mieux possible. Super, merci beaucoup. Eh bien... je vais vérifier que les membres du jury nous rejoignent et pendant ce temps-là, ben, je passe la parole à monsieur le recteur Philippe Dubois. Donc voilà, merci d'être parmi nous. Merci à toi et bonsoir à toutes et tous. Je suis évidemment très heureux de pouvoir intervenir un tout petit peu parce que je me doute que nos doctorants attendent avec impatience le verdict du jury. Ceci dit, vraiment, bravo, félicitations. J'ai eu l'occasion de participer, lorsque j'étais vice-recteur à la recherche, à des jurys. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de pouvoir opérer une sélection, tant les sujets sont riches, différents, variés. Francesco nous a dit tout à l'heure, célébrer la recherche. C'est vraiment ce que vous montrez aux auditeurs ici qui sont à distance. On ne sait pas vous applaudir juste après les 180 secondes, mais croyez bien que le cœur y est, que ce sont des applaudissements à distance que nous formulons. Vous avez, je pense, vraiment fait preuve de talent orateur, puisque c'est un des critères. Vous avez aussi fait preuve de structuration de votre exposé, et en 180 secondes, c'est loin d'être évident. Et je dirais... aspect extrêmement important de cette épreuve ludique, c'est ce talent de vulgarisation. Chapeau bas, monsieur Dame, vraiment, c'est extraordinaire. Et au-delà de ça, là, j'enlève ma casquette de recteur, je reprends celle de scientifique. Ça me rappelle une thèse passée il y a quelques décennies. Mes cheveux étaient plutôt noirs que blancs à l'époque, mais enfin... on s'en souvient, je ne suis pas persuadé, peut-être même du contraire, que j'aurais été capable de faire ce que vous avez fait. Déjà en présentiel, c'est très compliqué, mais en distanciel, c'est encore plus. Chapeau bas, je le répète. Je profite de l'occasion pour remercier Art au Carré, Lucie Louvain, d'avoir participé à cette co-organisation. C'est aussi assez unique. C'est finalement... dans le cadre de cette crise sanitaire, mais des occasions qui probablement ne se seraient pas présentées. Donc, vous voyez qu'il y a des points positifs malgré tout à ce que nous vivons pour le moment. Merci Francesco, merci à toute l'équipe du MUMONS, franchement belle organisation. J'ai remarqué qu'il y a eu qu'un tout petit couac. Le chrono s'est arrêté, mais quand on parle de cœur, que voulez-vous, le temps ne compte pas, hein. C'est assez clair. Enfin, merci aussi aux membres du jury, hein, 7 membres de l'UC Louvain, d'Art au Carré, des membres extérieurs et des membres de l'UMONS. Voilà. Et j'ai aussi eu le plaisir de suivre le chat. Et nos doctorants ne l'ont pas vu, mais il était animé, riche, plein d'encouragement à l'auteur de ce que méritent nos doctorants. Bravo. Et maintenant, je passe la parole pour les résultats. Voilà, merci beaucoup, monsieur le recteur. Alors, Maxime, je pense que tu as un petit souci technique, c'est ça, avec l'entrée des jurés, bah, c'était trop beau. C'est pas réellement un souci technique, c'est juste que je ne sais pas pourquoi ils ne rentrent pas dans la salle. Donc, j'essaie d'être sur Teams en même temps avec eux pour voir... Ah, voilà,
Là, j'ai Michel Stockem qui arrive, donc je vais le faire rentrer. Hop, ça commence à arriver. Donc désolé, il va y avoir un petit temps de latence. J'essaie d'être sur Teams en même temps avec eux pour pouvoir. Ah, voilà. Là, j'ai Michel Stockem qui arrive, donc je vais le faire rentrer. Ouais. Ok, donc voilà, donc Michel Stockem. Je vais essayer d'aller. Il y a un retour de son, Maxime. Oui. Voilà, donc l'idée c'est que le jury a choisi donc deux lauréats. C'est Rudy Wattier qui est le porte-parole du jury. Donc Rudy Wattier, il est vice-recteur à la recherche. Donc ce ne sera pas lui. Ce ne sera pas lui, ok. Et donc ce sera. Je vérifie dans mes informations que je sois en direct. Désolé. Attends. Bah écoute, je ne sais pas. Ce sera une surprise, tiens. Voilà. Voilà, faisons comme ça. Voilà, donc dès que le jury est arrivé, on laissera la parole à son représentant. Et puis, Maxime annoncera le prix du public. Et on laissera la parole aux trois. Voilà, donc l'idée, c'est que le jury a choisi donc deux lauréats. C'est Rudy Wattier qui est le porte-parole du jury. Donc Rudy Wattier, il est vice-recteur. On a un petit retour de son sur Michel Stockem qui est parti. Donc voilà, hop. Et sinon là, tu vas bien. Là. Bonjour. Bonjour. Désolé pour le petit souci technique, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, donc je vous on y arrive. Qui sera votre représentant, Valérie et Isabelle? Vous le savez ou pas? Valérie, on t'entend pas. Non. Voilà, en attendant que Max règle ses petits soucis, peut-être dire que les candidats donc, vont tous recevoir un petit cadeau, évidemment. Alors, ils vont tous recevoir un bon d'achat voilà, dans une librairie pour continuer, évidemment, à attiser la curiosité. Et les trois lauréats recevront une liseuse. Voilà, donc ça arrivera un petit peu après. Le temps que le déconfinement avance un petit peu et puis vous recevrez tout ceci. Alors, habituellement, membres du jury, on vous offre des pralines, du chocolat. Là, ça va être un peu difficile pour ce soir, mais voilà, c'est tout comme. J'essaie de meubler comme je peux. Et donc, Max, de ton côté, comment ça se passe? Je n'ai pas de nouveaux membres du jury qui rejoignent, donc je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je leur ai renvoyé le lien au cas où, mais je n'ai pas de nouvelles demandes. Donc, ce que je vous propose... c'est peut-être... Donc Valérie a un problème de son. Donc Isabelle, si dans deux minutes... C'est pour moi. Il n'y a pas d'autres membres du jury. Ah, voilà, j'ai Christian Dubrulle qui est là. Salut Christian. Tu dois te sentir seul, Maxime. Un petit peu, mais de toute façon, il faut savoir que j'ai les résultats. Enfin, j'ai les résultats, en fait. Donc, je ne me sens pas si seul que ça. Je pense que c'est plutôt les candidats qui... Les candidats, sachez que ce n'est pas un complot. Non, hein, donc, pas du tout pas ça pour pas attiser votre impatience, mais vraiment, voilà. Bon. Est-ce que tu as quelqu'un en ligne? Isabelle, peut-être tu peux... Oui. Je donne les résultats, du coup? Oui. On va commencer par le second lauréat. Oui, alors c'est Loredana, pour le titre de sa thèse « Si on tentait de vous sauver ». Félicitations. Bravo. Félicitations. Et alors, la première candidate, puisque c'est une candidate aussi, c'est Sarah, avec le titre de la thèse « Visitons les fast-foods sans trop culpabiliser ». Bravo. Félicitations. Bravo, également. Et donc maintenant, je peux annoncer le prix du public. Qui peut-être, Maxime, au cas, est-ce que Isabelle veut dire un mot par rapport à la façon dont s'est passé votre impression générale? On était impressionnés par la qualité des candidates et des candidats. Ça a été une remarque unanime, de la bonne vulgarisation, du fait que vous étiez tous et toutes à l'aise. Et on était aussi... pleinement d'accord parmi les membres du jury, ça a été assez vite parce que
les choix étaient, enfin oui, on était d'accord tous et toutes. Et donc félicitations parce que voilà, à distance, sans public, c'était pas un exercice facile et c'était un bel exercice. Et on a pris du plaisir à y participer. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, je pense qu'avant d'annoncer peut-être le prix du public, on peut féliciter tous les candidats parce que voilà, l'exercice était assez compliqué pour tout le monde puisque personne n'était devant un public. C'était un contexte assez particulier. Vous avez voulu jouer le jeu, donc je pense que c'est important de vous féliciter. Il y a beaucoup de réactions positives pour tout le monde sur le chat, donc ça, vous pourrez les consulter si vous voulez revisionner le concours. Mais voilà, sachez que les gens vous soutiennent et sont très heureux d'avoir pu vous entendre. Donc, félicitations à tout le monde, de toute façon. Et enfin, donc, le prix du public, qui revient, et je vais prendre les chiffres comme ça, donc, qui revient donc à Loredana aussi, donc avec 32% des voix, pratiquement. Donc voilà, Loredana, deuxième prix, félicitations. Je pense que maintenant, Francesco, on peut laisser peut-être la parole aux gagnants, aux différents gagnants. Oui, donc on peut commencer par Loredana. Loredana, tu peux nous donner si tu as un petit mot à dire, on va le faire à la façon cérémonie des Oscars, peut-être un peu moins long, mais vas-y, lance-toi. Merci. Merci. Merci à tous. Merci au public d'avoir voté. Et merci à tous pour cette belle organisation. Ça me fait très plaisir. Et tout ceci m'a vraiment permis, en fait, de m'amuser. Le concours, ma thèse en 180 secondes, est tombé en même temps que la fin de ma thèse. Et donc, ça m'a permis de sortir un petit peu la tête de la thèse et de faire quelque chose de plus fun, de plus cool. Donc, merci pour tout ça. Et de vulgariser davantage. Je sais que de nombreux amis et ma famille sont en train d'écouter. Ben là, maintenant, ils ont compris qu'est-ce que je fais de mes journées depuis 6 ans. Et donc, merci aussi pour tout ça. Merci. Et donc, Sarah ? Oui, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Et j'aimerais bien remercier Antoine Ilhorst qui m'a aidé à faire un super beau dessin pour ma slide. Et ça me fait plaisir aussi de pouvoir faire autre chose que juste de la recherche purement scientifique et de pouvoir essayer de prendre du recul sur sa thèse et expliquer un peu de science à mes amis et ma famille qui aussi peuvent enfin comprendre ce que je fais. Et ça a été un très beau parcours avec des super séances de coaching qu'on a eues et j'ai passé des super moments à préparer tout ça. Un tout grand merci. Alors, félicitations à tous les deux et à tous les autres. Juste un point qu'on a oublié et qui finalement, si on l'a oublié, c'est que c'est sain. C'est que finalement, il y avait deux universités dans le jeu et on a complètement oublié qui est de Louvain, qui est de l'UCL. Enfin, on l'a fait volontairement. Mais là, voilà, peut-être redire en fait d'où vous venez, le nom de votre service, de votre chef de service et de rendre César ce qui lui appartient. Donc voilà, Sarah, toi, tu viens d'où et tu travailles chez qui? Donc moi, je suis à l'UCL Louvain. Et je travaille avec le professeur Pascal Jacques en IMAP. Et voilà. Je suis en dernière année de thèse. Oui, et Loredana ? Moi, je suis de Lumons, dans le service finance à Waroquet. Je travaille avec Madame Eldenberg, Anne. Super. Et je vous propose aux autres candidats aussi de révéler votre identité, enlever vos masques, si je puis me permettre l'expression. Et peut-être aussi nous indiquer, on peut faire un espèce de petit tour de table, juste en une phrase, ce que participer au concours Ma thèse en 180 secondes vous a apporté. Parce qu'on a peut-être des doctorants qui nous regardent. Et je pense que, moi je suis convaincu que c'est un concours qui apporte vraiment quelque chose aux doctorants. Mais voilà, je pense que des doctorants qui parleront à des doctorants, ça aura beaucoup plus d'impact. Donc voilà, juste en une phrase, dire, ben voilà, le concours, ça m'a permis de... Ce serait intéressant. Alors, ben, Laurine, peut-être nous dire d'où tu viens et ce que le concours t'a apporté. Oui, donc moi, je viens aussi de l'UCL Louvain et je travaille avec le professeur Pascal Jacques aussi en IMAP, en fait, comme Sarah. Le concours, en fait, comme Sarah a dit, c'est vraiment, on a eu des séances de coaching incroyables et je dois dire que j'ai beaucoup hésité à faire le concours pour une question de temps, parce qu'on est en dernière année, on est dans le rush final, donc le temps, c'est précieux. Et non, je suis contente de l'avoir fait. C'est une chouette expérience. Merci. Ludovic, peut-être, tu peux prendre la parole, nous dire d'où tu viens et ce que le concours t'a apporté.
Alors, c'était une superbe expérience. Moi, je travaille comme chirurgien cardiaque au CHU CL Namur sur le site de Gödin, donc près de Namur. Et l'expérience, c'était vraiment une chouette équipe, rencontrer des gens de différents domaines, de comprendre d'autres types de thèses. Et franchement, de nouveau, les séances de coaching. Merci à notre coach, merci à toutes les filles d'avoir participé. Je pense qu'on a passé un chouette moment et je referai ça demain. Merci à toi. Philippe ? Donc moi, je suis de Lumons. Je suis dans le service de spectrométrie de masse organique de Pascal Gerbeau. Et donc, ce que le concours m'a apporté, c'est une autre vision de la thèse, surtout d'une manière qui touche justement la vulgarisation et qui permet au final de simplifier, on va dire, et de communiquer beaucoup plus facilement ce qu'on vit au jour le jour, en fait. Donc, merci à toute l'équipe du Mons, évidemment, pour la mise en place de ce concours en visioconférence. Merci. Merci à toi. Antonin, je te laisse la parole. Oui, donc Antonin de l'Université Mons, du service de génie mécanique de Pierre de Hombreux. Donc, moi, cette session, c'était ma deuxième expérience pour ma thèse en 180 secondes, puisque je l'avais fait au début de ma thèse. Et donc, j'ai voulu clôturer, suite à la défense de ma thèse ici au mois de mars, par refaire l'expérience. Et donc, on finit la boucle, comme on dit, on ferme un chapitre. Tout à fait. Super. Merci. Angèle ? Oui. Donc, moi, je suis de l'UCL Louvain. Je suis du CLIP et je travaille avec Olivia Daller au LDRI. C'est vraiment une occasion de faire parler de ce sujet qui concerne tout le monde. Et je pense que c'est un moment de gros partage, surtout entre plusieurs doctorants, où on a vu comment les autres ont pu expliquer de manière vraiment terre à terre le sujet. Ça permet de mieux comprendre. C'était une belle aventure. Merci à tout le monde. Merci à toi. Mathieu ? Oui, donc moi, je suis de Lumons. Je travaille avec le professeur Ronnie Snyders. Et vulgariser un sujet scientifique, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et encore une fois, ce sera pas très original, mais je remercie aussi tous les coachs qui nous ont aidés à améliorer un peu les présentations, etc. Et aussi vraiment à l'organisation du concours, parce que je sais que c'est pas facile dans des circonstances comme celle-ci. Et voilà, merci pour la tenue de ce concours cette année. Merci à toi. Et enfin, Antoine. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis docteur du service de finances publiques et fiscalité de Joseph Pagano. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais c'est un super, super exercice. Franchement, c'est pas une façon de présenter dont on a l'habitude. C'est pas une façon de s'adresser à un autre public, d'essayer de réfléchir à comment parler la manière la plus simple possible. On a l'habitude de jargonner entre initiés. Et là, c'est vraiment chouette comme exercice, cette volonté de vulgariser. Et donc, c'était vraiment génial. Donc, merci encore à toutes les équipes. Merci à Francesco, à Maxime et à tous ceux qu'on ne s'est pas cités et qu'on pense quand même à eux. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut remercier encore une dernière fois le jury avant de nous quitter, d'avoir consacré donc, du temps. Moi, je voulais vraiment remercier évidemment tous les membres du jury qui sont prêtés au jeu, ceux qui sont muets, ceux qu'on voit, ceux qu'on voit pas, ceux qu'on entend. Ils étaient tous là de cœur et d'esprit, donc merci à eux. Merci évidemment à tous les candidats d'avoir joué le jeu, parce que c'était loin d'être simple. Et merci aux collègues qui ont permis de rendre cette idée un peu folle une réalité. Donc merci à Emrance, Maxime, Julien, Camille, Charlotte et tous les autres. Merci au recteur d'avoir donné de son temps précieux pour nous rejoindre. Merci aux collègues de Louvain de nous avoir fait confiance. Et merci à vous, public, pour notre enthousiasme. Alors, j'espère que tout ceci vous donnera envie l'an prochain de revenir voir les finales en présentiel. J'espère qu'on pourra retrouver les salles de spectacle l'an prochain. Et donc, voilà, vive la science, restons curieux et bonne soirée. À bientôt. Merci, merci, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Voilà, donc